Eh bien le bonjour. Ah bien le bonjour. En ce mardi. Bonjour Zolotrex. Bienvenue en ce mardi particulier. Eh oui, pourquoi? Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi ce mardi est particulier? Zolotrex, vous le savez forcément, je suis sûr que vous avez une idée. Cherchez pas, c'est peut-être faux, hein. Peut-être que vous savez pas. C'est un jour particulier. Bonjour, Psycho75FR. C'est la fête des grands-mères, vraiment? Et c'est l'invasion en Ukraine. Ah, c'est pas vraiment l'Ukraine, hein. Ce sont des territoires indépendants. Voilà. Non, aujourd'hui, c'est un jour miroir. Nous sommes le 20 02 2022. Et vous pouvez faire dans l'autre sens. Ça fera encore le 22-02-2022. Vivement ce soir pour l'invasion en Ukraine. C'est rediffusé en direct. Que moi je me couche tôt le mardi et si faut savoir que j'enregistre. 22h22-22 minutes. Ça va faire. Oh, ça va faire beaucoup de deux. Enfin de deux. Pas de deux. Bah si, de deux. Mais de deux. Mais pas de deux, deux et deux. Deux et deux. Donc de deux. Ou quelque chose comme ça. Ce soir, nous allons donc jouer à Brothers, A Tale of Two Sons. Les frères, le conte de deux fils. Si, je pense que c'est ça. Comme au foot, ça fait souvent 2-2. Mais parfois, ça fait 3-0. Et 1. Et 2. 3-0. Alors, j'ai testé un petit peu le jeu. Ça a l'air de ralentir un peu. Je crois que ma connexion est pas formidable ce soir. J'ai une fibre moyenne. Des fois, je vais avoir 400, 300 en upload ou en download, et là j'ai, je sais pas, 80, 90. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais pas dire que c'est la tempête parce que ça arrive fréquemment. J'ai une mi-fibre, une fibrounette, une fibrette. Ben, j'ai pas une fibre de ouf. Disais-je donc, nous allons jouer à Brothers. En espérant que j'arrive à faire tourner tout ça. On va regarder. On a déjà lancé le jeu. Ah, et vous, votre journée? Comment s'est passé? The Trek, ce Psycho75FR. Alors déjà, voilà. Elle commence votre journée? Ah, mais oui, c'est vrai. Autant pour moi. Vous n'êtes pas en France métropolitaine. Est-ce que le son n'est pas trop fort? Ça risque d'être un peu plus fort après. Je veux pas que ce soit trop fort maintenant. C'est bien. Vous êtes au spa, bah c'est parfait. On va voir si la capture passe. Voilà. On y arrive. Voilà, donc vous aurez peut-être du ralentissement, hein. Je vois effectivement que ça ralentit là, mais. Allons-y. Et ben voilà, Zolotrex. Bravo. N'hésitez pas à me dire si le son est trop fort. Hein. C'est vrai, ça, vous étiez avec qui? Le son a l'air bien? D'accord. Bon, je vous laisse un petit peu. Je m'en vais 2 secondes pour vous laisser profiter de l'image. Mais je suis là, attention.
Je vous lis. Votre sœur? Très bien. Mais non, je suis là, je suis là. Je trouve qu'il vous ressemble un peu Zolotrex, mais sans la barbe et sans la cigarette. Monsieur Exos, bienvenue. Ne cherchez pas à comprendre ce qu'ils disent, ça n'est pas une vraie langue. Naï, Naï, Ta, Ata, Naï, Ata. Ah non, on comprend rien. Mais c'est normal, c'est pas fait pour ça. Allez. En fait, si. Il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de traduction, parce que c'est un jeu où les intentions des personnages et ce genre de petit chemin fait par la caméra nous indiquent ce qu'on doit faire. Et alors, la particularité, c'est que je dois jouer les deux personnages avec une seule manette. Que vous pouvez aussi jouer avec un clavier. Avec le clavier, du coup, ça permet de jouer à deux. Parce que à deux sur une manette, c'est pas formidable. Donc hop, vous voyez, là je fais lui, je lâche, hop, maintenant je fais lui. Bien sûr, faut faire les deux en même temps. Il faut diriger les deux en même temps. Parce que vous voyez, là je fais que avec le petit, ça avance pas. Si je fais avec les deux, ça avance plus vite. Et si je fais les deux dans l'autre sens, bah rien n'avance. Oui, c'est vrai, après il va fumer, il va devenir streamer. Oula, attendez, je fais n'importe quoi. Bon, alors pour la petite histoire, a priori, votre mère est morte, Zolotrex, et votre père est malade. Ça se présente pas sous les meilleurs auspices. Alors, j'ai essayé tout à l'heure de faire tomber le monsieur sur la falaise, là j'ai pas réussi. Et on va essayer, hein, mais... Voilà, ça bloque. Ça bloque, c'est dommage. Ça aurait été dommage qu'il fasse des petits trucs comme ça... Pour les gros tarés. Hop, voilà. Donc on lâche comme des. Oui, désolé, votre ex est morte noyée. Vous n'avez pas eu assez de force pour la remonter de la barque. Et petit truc rigolo, voilà. Voilà. Il est pas assez fort, lui. Vous n'êtes pas assez fort sur le Trex, décidément. Donc du coup, c'est le grand frère qui s'y colle. Voilà. Voilà, lui, c'est un balèze. C'est vrai qu'il se tient le ventre, hein, donc... Et oui, bah j'y vais. Alors, regarde, hop. Allez, prends-le, toi aussi. Feignasse. Oh, votre grand frère, c'est pas... C'est une feignasse, hein. Vous êtes le jeune... Bah oui, bah, après, vous êtes petit. Alors, du coup, c'est... C'est rigolo de déplacer les deux personnages en même temps, on a toujours tendance à les faire bouger un peu ensemble, mais je pense qu'il y a des situations dans le jeu où ça va être très cocasse. À certainement des moments, on va devoir bouger les deux en même temps et ça va être particulier. Mince, vous voyez, déjà, lui, il suit pas. Alors, hop, courte échelle, et c'est parti. Voilà. Ensuite, tac... Allez, à toi. Non! Mais non! Oh, mais quel crétin! Je voudrais que vous êtes un crétin.
Allez, voilà, maintenant faut regrimper. Comment ça, vous n'aimez pas les orques? Je vous ai déjà perdu, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que c'est, monsieur Exos, la DA des décors? Ah, les premières versions de WoW? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est un petit jeu... Un petit jeu entre guillemets sans trop de budget. Hein, le... Hé, hey, qu'est-ce qu'il fait lui? Mais redescend! Mais... Attends. C'est pas de tout repos hein, de s'occuper des vieux, vous le dire. Là, je pensais que je l'avais mis jusqu'en haut. Ah, direction artistique, d'accord. Bah, c'est bon, il est arrimé là. Bah, c'est bon. Bon, pour l'instant, je vais faire un perso à la fois parce que c'est pas gagné cette histoire. Le champ lexical, non, mais c'est bon. Si Co 115 FR et vous me prenez pour une bille, vous avez bien raison. Je suis assez d'accord, c'est vrai que ça. Maintenant que vous le dites, ça fait penser un peu au premier. Premier Warcraft. Elle prend un LED d'Imirette. Regardez-moi ce beau village. Avec ce vieux. Il me semble que l'un des développeurs est libanais. Je crois que c'est pour ça que c'est une langue qu'on comprend rien. Bah oui, Abaya. Abaya, les amis. Ce serait tellement drôle, monsieur Exos, en vrai, effectivement. Juste à ce moment-là, là. Faut aller retrouver... Ah, d'accord. Ça y est, c'est bon. On va aller trouver un arbre pour sauver les gens. Ils ont copié Secret of Mana. C'est intolérable. Bah, moi, en vrai, j'aime bien les orques, hein. Je trouve que ce sont de beaux mammifères. Ils tuent les requins. Après, si vous parlez des bonhommes tout verts avec des grandes dents, bah, je les aime bien aussi. On peut faire une bagarre entre frères. Allez, 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 cours-moi après. Non. Ah ouais, mais j'aime bien l'Heroic Fantasy. Hein. Les grosses dents de cochon, attendez Zootrex, quand est-ce que vous avez vu un cochon avec des dents comme ça? Ça s'appelle un sanglier, là, et encore. Bon, pour l'instant, ça va... Eh, qu'est-ce que c'est, lui? Laisse-moi passer. Ok, bon, il veut pas qu'on passe. Dégage! Bon, lui, il n'y arrive pas. Très bien. Et toi? Dégage! Ah voilà. Non, non, j'ai pas compris. Mais je trouve que quand même, vous êtes un peu dur avec et les orques et les cochons. Ok, bon, on va devoir passer par là-bas. Bon, ici, ça sert à rien. Alors, hop là! Ah non, c'est vrrai, vous avez peur de l'eau, Zolotrex. Vous nous aidez pas. Hein. Sur les épaules, allez, grimpe. Oui, parce que voilà, le petit bonhomme, c'est Zolotrex. Et il a laissé sa maman mourir dans l'eau. Parce qu'il n'était pas assez fort pour la remonter sur la petite barque. Et depuis, voilà, il se lave plus. Il boit plus que de l'alcool parce que l'eau, ça passe plus. Bon, le Zolotrex qu'on connaît maintenant, quoi. Il fume. Il boit, enfin... Et... Top, 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 top. Vous pensez qu'elle est propre, mais en réalité, les poissons chient dedans. Mais dégage!
Mais c'est qui ce gros con là? Allez, ouvre! Sérieux, c'est un gros pouilleux lui! Bon, alors. Comment on fait? Parce que lui, il peut grimper, mais. Mais lui, non! Alors, attendez. Pourquoi il tend la main comme un débile? C'est quoi ces gros débiles? J'arrive! Attends, j'arrive! Sérieux? Bon, il doit y avoir un truc, forcément, hein, mais... Bon, on peut pas grimper. Et lui? On peut pas grimper dessus, du coup? Non. Ah oui, on peut tourner la caméra, d'accord. Bon. Voilà, ça, on commence déjà bien, on est déjà bloqué. La sénoise? Moi, j'ai pas la ref. Je vous l'avoue. Alors, s'il tend la main, ça doit être pour que l'autre le... Ah, d'accord. Ah ouais. Oh, c'est pas... Ah, je suis le seul à pas avoir la ref, quoi. Bah, du coup, comment il fait, lui? Ah ouais, mais c'est des singes. Des singes, les deux, là. Oh, je suis désolé, hein, je fais un après l'autre parce que... Non, remonte, débile. Oh là là, tout le jeu comme ça, ça va être difficile. Sénoise, ah pardon. Mais oui. Vous êtes déjà baigné dans la Seine. D'une certaine façon, ça expliquerait bien des choses. C'est peut-être à cause de ça, vos problèmes de cul. Peut-être de l'eau de la Seine qui s'est infiltrée. Alors, il veut qu'on bouge la caméra. Ah oui, d'accord. Faire quoi? Faut les éviter. Eh hey, papy. Ah non, bah d'accord, ok. Regardez comme c'est beau. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais... Ah, et lui, là? Non, on peut pas... On est censé descendre par ici, là? Non. Non. Ah, voilà. Ah, d'accord, ok. Allez, hop. On est des vrais... Mince. C'est pas évident de diriger les deux en même temps. Je vous assure que... Plus Zolotrex... Regardez-moi par contre cette agilité, Zolotrex. Je suis assez... Oh là, voilà, voilà. Ça y est, là ça va être le moment où ça va devenir compliqué. Hop. Voilà, un à la fois... Voilà, oh ça va, incroyable. Hop là. Neverwinter Night. Et en plus vous prenez que des jeux d'Heroic Fantasy. Mais par contre c'est qui lui là? Non parce qu'il commence à me gonfler hein. On va lui lâcher le chien sur les miches. Non, non toi tu peux pas, y'a que Zootrex qui peut. Voilà. Ah oh, c'est quoi ce gros bestiau là? Wow. Allez, tiens. Bien joué, Zolotrex. C'est ça qu'on veut voir. Plus vous libérer des animaux. Ah, c'est vrai que là, faut... Le Never... En plus, je l'ai fait, je crois. Le premier Neverwinter Night. Je l'avais fait, il me semble. Je l'avais fait et... De mémoire, je crois que j'avais fini par tricher. J'avais fait des codes pour avoir plein de pouvoirs. Et du coup, je pouvais me transformer direct en dragon. Et je bousillais tout le monde. Le premier... Il était bien, le premier. Moi, j'aimais bien. Alors, moi, je trouve qu'il est assez beau, le jeu, là, pour l'instant.
Salut. C'est vous l'ami des animaux? Oh, Zolotrek, vous êtes... Regardez, vous êtes trop mignon. Qu'est-ce qu'il y a, Zolotrek? Qu'est-ce que vous voulez? C'est parce que je vous ai fait caresser un chat? Vous n'aimez pas les chats? Regardez ça, il est docile. Bah oui, vous êtes l'ami des animaux, bah voilà. Oh, j'ai triché. J'avais... Je sais plus quel âge j'avais, moi. Vous êtes marrant, vous. Vous êtes dans un jeu qui vous prend des heures et des heures, et vous y arrivez pas. Bon bah, au bout d'un moment, voilà, prenez d'autres dispositions. Est-ce que c'est bien par là qu'il faut aller? Non, c'est là-bas. Vous êtes choqués. Arrêtez, hein. Me dites pas que vous avez jamais triché, vous. Bon, lui, il dort. Bouge-toi, gros. Non, non, mais vraiment, j'étais vraiment... à un endroit où j'étais vraiment, vraiment bloqué. C'est parce que ça pouvait se jouer ensemble, Neverwinter Night. Et clairement, j'avais pas le stuff, j'avais rien. Allez hop! Bravo Zolotrek. Vous voyez ce que vous faites aux vieux? M'étonne pas de vous. Ouais, et puis des safe states, c'est, hein, c'est pas tricher de faire des sex steps. Hein? Eh! Eh! Dis donc! On vous connaît, Zolotrek. Plus vous mouillez les pauvres... pauvres R, là. Bah, il bouge ou quoi? Oui, bah dégage. Pourquoi il bouge pas? Voilà, on veut l'arbre. Ouvre la porte, maintenant. Ne prenez pas à partie le chat, Zolotrek. Ce n'est pas bien. Voilà. Est-ce que les safe... Ah, voilà. Ça y est. Vous avez vos appointances. Vous essayez de prendre le contrôle ici, comme Jérémy Perrin chez vous. C'est intolérable. Ouvrez. Personne dans cette ville. Hop. Il y avait quelqu'un là. Diana. Oh, bah ça va, oh. C'est pour la fluidité. Non, c'est surtout parce qu'il n'y arrive pas. C'est une preuve d'incompétence. Regardez, voilà. Vous voyez ce qu'il fait au lieu de balayer là? Ça, c'est Zolotrek, ça. Voilà. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est vrai, Psycho75FR. Vous avez raison. Vous croyez qu'il y a quelqu'un aux toilettes, là? Ah bah oui, il y a quelqu'un en plus. Sérieux, c'est quoi ce sale gosse? Oh, il joue au basket. Vas-y, moi je joue au basket aussi. Waouh! Ah ouais, là l'animation, on a bien vu. Voilà. C'était, c'est vrai que là l'animation, c'était. Et revenez-vous là-bas. C'était pas terrible. Ouais, les décors, moi j'aime bien. Je trouve ça assez joli. Non, c'est vrai que. Eh, il y a un écureuil. C'est vrai qu'il faut faire attention à votre grammaire, Zolotrek. Après, vous serez incompris. Et vous direz que c'est la faute des autres qui ne font pas d'efforts. Voilà, Psycho75FR a raison. Et à lui. Coup de pied au cul. Bam. Voilà, ça m'étonne pas. Vous n'êtes pas en terre hostile. Qu'est-ce que vous racontez encore? Bon, non, on s'en fout, lui, là-bas, on va continuer. Oh, il fait de la jolie musique. Ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Ah bah non, il aime pas l'eau, l'autre. Vous mettez des haies. Des haies ou des haies? Moi, j'aimerais avoir...
Parce que sinon, je pourrais pas vous lire. Il est bien fait. Oh, bah, il est bien fait, il louche. C'est rigolo. Alors. Quelque chose à faire? Non. Quand même un peu dangereux de partir comme ça vers l'inconnu. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un gros chien. Ah, voilà. Vous voyez? Donc là, il va falloir attirer l'un et l'autre. Du poulet ou du poulet? Je sais pas. Le... Avant de le manger ou la bouche pleine? Les grammars nazis et aux holotrex. Hop là. Hop là, et voilà. Il est con ce chien. C'est un grammar nazi, oh non. C'est un peu... Vous êtes un peu dur. Allez vite, 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 voilà. Allez vite pendant qu'il court. Vite, vite, vite. Hop là, très bien. On peut même faire le deuxième. Hop. Vite, 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 vite. Oh, là, c'était juste. Hop là. Très bien. Hop. Désolé, hein, je vous lis pas trop, je me concentre parce que j'ai un gros molosse. Vous avez vu la taille du truc? Il court bien vite pour sa taille, je trouve. Viens par ici, mon gars. Voilà. Bon, le jeu est pas très dur, hein, vraiment. Mais je sais bien. Je sais bien, c'est pour ça que j'essaye vraiment de le faire du mieux que je peux. Allez, viens par ici, toi. Allez, viens. Allez. Ah, on peut siffler. Il fallait le dire avant. Hop là, voilà. Un chien, comme on dit par chez moi, tout à fait. Coin du nez. Ouais, ouais, celui-là, il passe. Celui-là, il passe, c'est vrai. Vous dites ce que vous voulez, Zolotrex, hein. Moi, je ne censure pas. C'est le mon modérateur fictif qui le fait. Ah oui, voilà, vous voyez. Il n'y a pas besoin de parler parce que... Ils disent que le grand frère dit ce qu'on doit faire. Allez. Quelle agilité, Zolotrex, vous êtes incroyable. Alors par contre, si à un moment il y a des trucs de vitesse en gérant deux persos... Mais non. Si coup 75 FR ne mange pas de ce pain-là. Dis donc, vous sautez loin pour un petit bonhomme, hein. Hop. Hop là. Quel petit singe, vraiment. Incroyable. Oui, là, pour le coup, Zolotrex est imbattable sur ce point. Ah, faut encore grimper. Regardez-moi ça. Oh, j'ai réussi les deux en même temps. C'est beau quand même. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on cherche un arbre. On n'est pas censé savoir où il est. Oh, des lapins, des petits lapins. Oh, ils sont bizarres ces petits lapins. Ils sont très très bizarres ces petits lapins. Pourquoi il y en a 4 noirs et un blanc? C'est très bizarre. On va devoir les attraper, les petits lapins. Non, mais ça n'est pas de votre faute, Psycho 75 affaires, vous n'avez rien fait. Des pichons déguisés en lapin, c'est fort probable. Qu'est-ce qu'on doit faire? Attendez, je vais pas commencer à prendre des moutons qui ne m'appartiennent pas. Qu'est-ce que je dois en faire?
Et là, c'est quoi? Ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez les s'envoler, c'est beau. Ah, sacré Zolotrek, c'est vraiment... Il aime les animaux. Est-ce que vous pensez qu'il faut jeter les moutons dans l'eau? Vous avez froid aux mains? Ça commence par là. Ça commence par là. Vous aimez bien Zolotrex. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces moutons? Ah, attendez, il faut grimper là déjà. Hé, papy! Mais vous faites que des bêtises. Ce personnage ne fait que des bêtises. Moi, j'aurais bien une solution Zolotrex pour vos mains, mais... J'ai peur que vous ne me trouviez un peu trop cavalier. Ah, premier bug du jeu. Premier bug du jeu. Personnage est bloqué. Ah, ça, ce serait dommage. Bah oui, déjà s'asseoir dessus et puis après ça marche pas. Il faut continuer à aller en dessous. Allez, voilà. Alors là, c'est dommage. Parce qu'on va devoir restart checkpoint. Regardez. Regardez-moi ça. Il ne peut plus rien faire. Il est bloqué. Ça, c'est vraiment... Bon, après, on devait pas être très loin, voilà. Bon, c'est par là-bas qu'il faut aller. Mais pourquoi on bouge les moutons? Ils ont rien fait, les moutons. Ah, ou alors faut les poser là-dessus pour que ça se referme, enfin que ça se rouvre plus. Zolotrex, pour vous réchauffer les mains, faut vous asseoir dessus. Ça vous évitera d'écrire des bêtises sur mon chat, déjà. Et puis, si jamais vraiment ça ne passe pas... Mince! Ah, on a tué le mouton! On a tué le mouton. Si vraiment ça ne passe pas, écoutez... Ah bah non, je suis bête, il suffit de rester dessus. Ah, c'est pour ça. Et bah... Oh non, mais... Ça va suffire maintenant. Voilà, et si jamais effectivement ça ne passe pas, bah vous les mettez dans le péteux et puis ça devrait faire l'affaire. Alors si je me mets tout au bout. Non. Ah, il est tombé dans... Non, il est tombé dans l'eau. On a tué un mouton. Ah non, ça va. Bon, alors là, j'avoue que... on fait quoi? On doit mettre plein de moutons dessus? Il semble déjà que c'est suffisamment lourd. Est-ce qu'il cherche à revenir à l'enclos? Est-ce que comme ça, ce sera suffisant? Eh non. C'est incroyable. Bon, il y a peut-être un autre mécanisme de l'autre côté. Il faut mettre les 4 moutons. Un trébuchet à les nœuds serait tellement bien. Une histoire triste et bizarre que vous avez vécue hier. Que vous est-il arrivé, Zolotrex? Elle est plus triste ou elle est plus bizarre? Moi, je veux savoir si c'est plus triste ou plus bizarre. Vous commencez à... Il était une fois? Bon, là, 4 moutons dessus, ça devrait suffire, non? Ah bah non. Il y en a un qui est tombé. Il y en a un qui est tombé ou pas? Ah non, ah il repop de l'autre côté. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi je... J'ai mis les 4 moutons, ça suffit pas. C'est quoi Ah bah attendez. Attendez, attendez. Voilà, tout simplement. Wendo, je connais.
C'est qui, Wendo? Attendez, parce que là... Un membre de la commu qui donne beaucoup d'argent d'habitude a fait une tentative de suicide en direct... C'est une meilleure, enfin. Une personne dans le chat? Comment vous savez qu'elle a fait une tentative de suicide? Non, parce que, entre guillemets, si c'est juste dire « je fais une tentative de suicide », comment pouvez-vous être sûr qu'il l'a faite? Même si, bon, on espère tout de suite, enfin, de toute façon qu'elle ne l'a pas fait. Oh, c'est quoi ça? Un géant qui pleure. Il va vouloir nous manger ou... les gueules, vous êtes sûrs, les frangins? C'est genre un ogre. Alors, méchant ogre ou pas méchant ogre? Ouais, il fait coucou. Je comprends pas trop votre histoire, Zolotrex. Bah oui, mais c'est quand même étrange. Forcément, on se pose la question, mais après, il s'était intoxiqué au monoxyde de carbone. Donc, il a bouché genre son... C'est sorti de gaz, enfin c'est... Faut le vouloir pour s'intoxiquer au monoxyde de carbone. Enfin, je veux dire, il faut avoir déjà une chaudière défaillante qui produit du monoxyde de carbone, sinon pas moyen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va me lancer? Malade. Ah, désolé, Psycho75FR. Je vais vous lire. Attendez, c'était un suicide ou encore un salaud de proprio qui a jamais entretenu ce système de chauffage? Ouais, après, à mon avis que ça devait être un peu impressionnant, en vrai, ce genre de choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... C'est toujours difficile à dire. Mais c'est vrai que ça doit être bizarre comme... comme moment. Après, on espère que c'est pas vrai, que c'était juste un connard. Quelque part, ce serait mieux comme ça. Merci en tout cas, Zotrex, pour ce petit instant émotion. Et voilà. Wow, oh. Donc si jamais il y en a un de vous qui écrit plus pendant 5 minutes, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Parce que c'est pas ici, normalement, qu'on s'inquiète. Wow. Ah oui, c'est notre copain. Des champignons qui lui poussent dessus, c'est peut-être pour ça qu'il pleure. Bah, on va pas te monter dessus, mec. Bon, bah si. Sympa, hein, Stogre. Non, mais c'est rien, on ne vous en veut pas, monsieur Exos. Mais qu'est-ce que ça fait qu'il donne beaucoup d'argent? Qu'est-ce que ça change pour le fait que ce soit vrai ou pas? Monsieur, exaucez vos voeux? Ok, merci monsieur l'ogre. Mince, on peut plus grimper, nous. Ben, on peut plus grimper. Ah oui, d'accord. Et je commence à choper le coup. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Ah non, c'est bon, c'est de l'autre côté. Enfin, je pense.
C'est possible, effectivement. Mais en êtes-vous sûr? Difficile à dire, parce que quand même le monoxyde de carbone, ça se fait pas vraiment, hein, ça se fait pas tout seul, quoi. Faut boucher son aération, faut flinguer sa chaudière. Enfin, la flinguer, non, mais... Il faut clairement bricoler là-dessus. Dire ça se vend pas en bonbonne, que... Heureusement. Qu'est-ce que vous racontez sur quand ça fait? Mais ce qui vous a fait gagner, c'est qu'ils mettent le gaz ou qu'ils ne puissent plus donner d'argent. La question se pose en vrai. Hein. Surtout le gaz, je ne suis pas un monstre. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est dommage qu'ils ne donnent plus d'argent. Malgré tout. J'espère qu'il va continuer à donner. Je suis désolé parce que moi je suis un monstre pour le coup. Alors on va grimper sur son dos. Qu'est-ce qui va se passer? Moi je saute pas dans l'eau, hein. Moi j'ai peur de l'eau, hein. Ok. D'accord. Il faut aller dans le trou là-bas, eh ben, ok. Bah allez, c'est moi qui m'y colle. Hein, voilà. Bah dis donc. Vous êtes joyeux ce soir? Voilà donc. Oui, oh, vous savez, j'ai un travail qui fait qu'il vaut mieux que je sois entre guillemets placide, même si pour le coup placide, mais ça me fait penser à la BD. C'était quoi déjà l'autre personnage? C'était Museau, Placide et Museau. Ça s'écrivait comme ça? MUZU? Je sais plus. On arrive dans un endroit fantastique. Ah voilà, et il n'y a que Zolotrex qui passe. Vraiment passe-partout ce garçon. Je m'en doutais que ça allait se refermer. Ouais, on est coincé. Quelle heure est-il? 48 minutes? Bon, on va continuer encore un petit peu. En fait, ils ont mis des bancs partout, c'est juste pour qu'on puisse voir la zone, quoi. Que pas une, ce que pas bête comme idée, hein, mais bon. Ils les ont sortis en bouquin. Pour moi, c'était dans des magazines. C'est vrai qu'ils ont pu les sortir en format BD après. Ça avait réunion dans 9 minutes. Très bien. Mais voilà ce que j'allais dire. Avant toute chose, n'oubliez pas de donner de l'argent, Sico75FR. Je sais qu'on peut pas donner d'argent sur cette chaîne, mais malgré tout, j'aimerais que vous fassiez un effort et que vous essayiez. Hé, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, d'accord. Je croyais qu'il allait tomber. C'était format carré. Ah, je me souviens pas du tout, tiens. De ces BD. Sur le trait que vous avez décidé de mettre des meilleurs partout, c'est ça? Eh, hey, je commence à maîtriser les deux frangins en même temps, hein. Regardez, hop. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Incroyable. Je m'étonne moi-même. Heureusement qu'il n'y a pas des vrais ennemis, parce que je serais un petit peu dans la mouise. Je donnerais cher pour... Ah, qu'est-ce que vous voulez retrouver? Les formats de poche, ouais. Attention à la roue. Vous en avez plein dans la famille, quoi donc?
Oula, ça sent pas bon cette histoire. Faut pouvoir bloquer ça là. Alors, est-ce qu'il y a pas... Il doit y avoir quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Non. Ah bah voilà. Non, toi tu vas là-bas. Et toi tu vas là. Comment on le ramène? On passe par où? Pivoter! Pivoter! Ouais, non, faut faire dans ce sens-là. Pivote, pivote, voilà. Dans les bois, on avait eu... Attendez, qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi vous parlez des bois? Si dans les bois avait eu une saison 3, elle aurait été carrée. Dans les bois, c'est quoi? Je suis désolé, j'ai l'impression d'être inculte avec vous. Ah, apparemment le lien... Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas mettre de lien ici, il faudra que je l'enlève, ça. Bah dans les bois, je sais pas, à part promenons-nous dans les bois, mais... C'est de ça que vous voulez parler, promenons-nous dans les bois? Pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mange, arrêt. Et voilà. Non, je suis désolé. Alors, sachez que j'ai une culture... entre guillemets très grande. Mais que j'oublie facilement. Ah bah non, mais je savais même pas que vous aviez travaillé sur une BD Zolotrex. Travailler sur tellement de choses, mais je n'arrive plus à suivre. Trop de choses. Vous travaillez trop. Avec Jérémy Perrin. Ah bah ça devait être quelque chose. Faudra que je vois ça. Qu'on doit faire. Hop là. Clark Nova aussi, il est sur votre chat, il me semble. Hop. Ah, suffisant. Suffisant. J'aime bien l'idée de... Ça me faisait un peu peur, mais j'aime bien enfin, l'idée de diriger deux persos avec une seule manette. Je trouve ça rigolo. Quand on arrive, on a l'impression d'être des dieux. Oula. Les flammes de la guerre. Ah bah on est de l'autre côté de la roue, d'accord. Hop 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 hop, revenez par ici. Alors... Alors, il n'y a pas de corde. Faut aller là-haut, j'imagine. Et s'accrocher à ça. Hop là. Tac. Ah non. Mince. Faut qu'il grimpe. À un moment, vous ne contrôlerez plus qu'un enfant. Vous pensez qu'ils vont en tuer un. J'espère que ce sera Zolotrex que je garderai. Allez vite! Hop! 100 € sur un jeu Ubisoft! Ça me paraît cher payé. Hey! Regardez! C'est quoi ces gros ogres? Ah, j'espère qu'on va pas devoir échapper à des ogres. J'aurais jamais l'expérience pour ça. Ah, des poissons! Qu'est-ce qu'on peut faire avec les poissons? Vous croyez qu'on peut en choper un? Et que comme ça on va pouvoir donner à manger aux ogres pour qu'ils nous lâchent la grappe? Alors on va les rabattre. On va les rabattre. Hop, on les rabat. Non. C'était ridicule. Hop, on les rabat. Non. Et ils sont beaucoup... Ah non, ils s'aspergent juste. Je pensais qu'ils chopaient le poisson, moi.
Si vous voyez un des persos qui se fait la malle, je sais pas où, c'est que je regardais l'autre. Ouais, on peut pas choper les pichons. Anno 1800. Je crois que j'ai jamais joué... Je vois très bien quel jeu c'est, mais je crois que j'ai jamais joué à un seul anno. Il me semble. Hop. Alors, viens voir. Oh. Bah alors quoi, il y a un truc à faire avec les pichons quand même? Je vois pas ce qu'on peut faire, on n'arrive pas à les attraper. Alors faut couper l'eau pour tuer les pichons. Ça c'est bien ça. On va essayer de couper l'eau. Il est où le robinet? Ah bah voilà, regardez, on va couper le robinet. Quoi, il y a forcément un côté? Ah bah non, on coupe rien du tout. Vite! Et accroche-toi. Bah oui, bah accroche-toi. Oh, quel boulet celui-là. Oui, bah j'y vais. Ah, c'est toujours Zolotrex qui va en premier. Quand même intolérable. 150 heures. Après, c'est un jeu de gestion, je veux dire... C'est forcément un jeu sur lequel on va passer du temps. Si vous prenez Civilization, alors 6, j'ai 350 heures de jeu, quoi. Pour faire toujours la même chose, d'ailleurs. C'est vrai que vous êtes le plus agile, le plus léger. Mais vous êtes un farceur, votre ex. Ah, voilà. Vous êtes un petit sacripant. On peut les tuer, vous pensez? Ouais, on peut les tuer. Vous voyez, vous avez tué votre frère. Lequel des frères avez-vous tué? Au revoir, Psycho75FR, merci d'être passé. Oui, bonne réunion, mon dieu. Ah oui, pardon. Un bon suicide, alors. Vous nous raconterez. Oui. Hop là. Tac. Bah écoutez, ce jeu... Alors, je crois qu'il est pas très très long, hein, Brothers, mais... je pense que c'est un jeu qu'on va finir. J'aime bien. J'aime bien la mécanique. J'aime bien la mécanique du jeu, je le trouve assez sympa. Je trouve ça assez original. Pas le fait d'avoir deux persos, bien sûr, mais le fait de devoir diriger les deux persos tout seul. Pour le coup, j'avais pas fait de jeu comme ça. Ouais, c'est ça, 5-6 heures, donc on va le finir. Ce sera l'histoire de 4-5 lives, et puis ce sera bon. Hop là. On continue. Très bien. Oh là, puis il faut que j'aille jusque là-bas. D'accord. Parce que en vrai, là, il n'y a pas d'orques. Bah, il y a des genres de gros trolls en bas. D'ailleurs, ils nous ont pas vus. Little Nightmares. Oui, ça me parle. Je crois qu'il y a pas mal de streamers qui l'ont fait, celui-là. Je crois que Mister MV, il avait pas mal fait, celui-là. Hop. Bah, regardez en bas, Zolotrex, tout en bas de l'écran. Des genres de gros trolls enfin qui tapent. Bah du coup ça ne s'ouvre pas. Ah bah on avait pas besoin. Très bien. Ouais, donc non, faut ramener. Hop. On ramène. Voilà. Et hop, catapulte pour gamin. Catapulte à Zootrex. Hop là. Vous voyez tout en bas, regardez les gros trolls. Je sais pas s'ils construisent ou s'ils font des mines.
Mais ils font quelque chose. Les trolls sont meilleurs que les orques. C'est ça que vous dites? Bon voilà, vous voyez, c'est un jeu qui est quand même pas très très difficile. Ils font des trucs de trolls. Mais après, je sais pas, je dis des trolls, mais c'est peut-être des ogres. Oui. Regardez. À votre avis. Les trolls, les ogres. Les gobelins, non, c'est trop grand, c'est beaucoup trop grand pour que ce soit des gobelins. Regardez, regardez celui-là, là. Regardez celui-là, là. Ceux-là, vous avez vu la taille qu'ils font? Les gobelins, je pense que c'est plus petit. Alors du coup, je sais pas. Moi, je dirais bien des trolls, quand même. Allez, moi, je vote des trolls. Quelles équations faites-vous, Zolotrex? Les sentiments ne sont pas des chiffres. Mince. Allez, toi. Hop, 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 hop. Ah, j'ai cru qu'il était bloqué encore. Hop là. Allez, à vous. Bien joué, Zolotrex. Comment vous faites pour sauter aussi loin avec un corps aussi petit? Incroyable. Alors, ogre, c'est supérieur à troll, qui est supérieur à gobelin, qui est supérieur à orc. Alors, non, moi, pour moi, les gobelins, ils sont inférieurs aux orcs. Ogre, je suis d'accord que c'est au-dessus des trolls. Les trolls, c'est au-dessus des... Oh, quoique, troll, orc, ce serait peut-être un peu égal. Non, les... Non, mais non. Les orcs, c'est au-dessus des gobelins. Bah, en fait, ça dépend de quel monde d'Heroic Fantasy on parle. Toute la difficulté. C'est par où qu'il faut aller, c'est par là? Oula, est-ce qu'on peut sauter de côté? Pas encore fait, ça. Les gobelins, c'est énervant, donc c'est mieux. L'or qui est nul est juste en muscle et con. Alors, ça dépend encore dans quel monde de fantasy vous parlez. Si vous parlez du Seigneur des Anneaux, oui, l'orque il est musclé et con. Si vous parlez de Warcraft, ils sont déjà beaucoup moins cons, les orques. Ils ont toute une culture, une civilisation qui s'est éteinte, mais malgré tout, ils ont un petit peu plus quelque chose. Et encore d'autres, bien sûr, mondes d'Heroic Fantasy. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oula. Ça devient acrobatique, tout ça. D'accord. Oui, mais qui s'est éteinte, c'est pas de leur faute. Ils ont été trahis. Oula, ouais, j'ai... Oh, il est tombé, il était catapulté tout en bas. Les gobelins, c'est énervant. Je vous entends déjà faire une voix énervante de gobelin manga. C'est vrai. C'est énervant. Bah alors. Wow. Oh oh, allez. Oh, c'est rigolo, ça. Arrêtez de crier comme des demeurés. Oh là, vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Mais courez. Vite, 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 vite. Allez, hop, hop, hop. Ok, on a tout cassé. Bah, c'est bon, c'est fini, là. Ouais, je vous ai bien imité. C'est pas évident, hein.
C'est parce qu'en fait, j'essaie toujours de... Pour vous éviter de penser au mot violin. Et je le fais avec un peu plus aigu. C'est violin! C'est la gonzesse de l'autre, là? Pourquoi elle est en cage? Je suis désolé, mais si elle est en cage, c'est qu'elle a fait quelque chose, hein. Ouais, pourquoi on se retrouve? On doit aller chercher un arbre, c'est tout, hein. Pourquoi on se retrouve à devoir faire toutes les basses besognes des gros bonhommes verts, là? Bah oui, bah on sait, on n'est pas con. Bon, il y avait une manivelle. Il y a une manivelle. Enfin, une manivelle. Il n'y a que lui qui peut le faire. Ça fait quoi? Non, ça ouvre pas, très bien. Donc c'est bon, c'est Zolotrex qui va devoir s'y coller. Parce qu'il faut passer à travers des barreaux. Voilà. Allez, on croit en vous, Zolotrex. Oh là, faut pas faire de bruit. Bien sûr, la caméra est hyper bien orientée. J'aimais bien avoir le barreau, surtout. Ah, vous avez mis votre doigt dans le cul du troll. Ah, c'est dégueulasse. Franchement, vous êtes immonde. Allez, mets la clé, petit haut. Ouais, et puis là, ça a pas fait de bruit du tout, bien sûr. Hein. Bon, tu vas nous aider maintenant? Pensez, monsieur Exos, qu'il aurait pu fister la serrure. Ça lui ressemblerait bien. D'accord, et puis nous, on reste là comme des cons. Bah ouais! Chut, chut, tais-toi, boulet! Bah voilà. Voilà, merci Zolotrex. Voilà, faut qu'on se cache maintenant. Je sais pas ce qu'on doit faire. Non, mince! Pourquoi il y en a un qui a sifflé? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il va forcément nous trouver. On doit faire la courte échelle de l'autre côté là-bas. Ultra violin. Il va nous voir. Par où il va? Par où tu vas, gros? Vite, il y a le dos tourné. Dépêchons-nous. En gros, je sais pas, la courte échelle là-bas. Faut rentrer dans la cage. Ah non, me dites pas qu'il y en a un qui doit la tirer dans la cage. Et comment il fait pour sortir après? Sortez par la porte. Bah ouais, mais... En fait, le levier, il ouvre la cage. Ça, d'accord. Si on ouvre la cage, est-ce que lui il va dans la cage? Peut-être. On va essayer. Revenez, Zolotrex, vous êtes où? Mais. Et l'autre il doit la tirer dedans? Mais comment il fait pour sortir après? Waouh, je sais pas. La bobinette chira. Bah oui, mais pour la tirer, comment qu'on fait? Parce que là, il va pas rentrer naturellement dans la cage. Ah oui, bien vu, Zolotrex. Vous pouvez passer, vous êtes petit ou... Allez, viens, gros. Il
Bien joué, Zolotrex. Ça c'est bien ça. Je savais que je pouvais compter sur vous. J'avais oublié que vous vous faufiliez partout. Allez, on grimpe. Bon, par contre, on sait toujours pas pourquoi elle s'est fait enfermer, etc. Mais bon. Vous croyez que c'est l'amoureuse de celui qui pleurait? Ah, c'est peut-être ça. Ok, faut aller là-bas, mais il n'y a pas un mécanisme à faire avant. On va peut-être, je sais pas, ouvrir des portes. Voyons voir. Elle a pas fait la vaisselle? Bah non, mais je pense qu'elle s'est faite attraper. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Bon, et après, tu nous aides quand même ou... Reviens! Mais... Ouais, d'accord. Ah bah non, faut l'amener ici, la passerelle. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Hop, allez. Ouais. C'est très jeu vidéo ça, parce qu'un truc comme ça dans le sol... vu en plus qu'on est plutôt sur... a priori, voilà, des trucs un peu médiévaux, je sais vraiment pas comment ils ont fait. Hop là. Hop. Les trolls s'ennuient beaucoup. Les trolls ou les ogres? On n'a pas décidé, hein. On s'est jamais vraiment mis d'accord. Hein. Bah vas-y, bah rentre-toi. Bah vas-y. Attends. De quoi, faut aller là-bas? Attends. Bah tu te fous de moi? Vous croyez qu'elle est enceinte, qu'elle a du mal là comme ça? Bon, empiler des pierres sans... Ah bah voilà! Ah c'est beau l'amour. Bon par contre, vous recommencez pas vos conneries maintenant. Parce qu'on va pas toujours être là pour vous sortir de la purée, hein. Alors moi j'ai l'impression que eux là, c'est plus des trolls. Mais ça fait plus genre... Wow! Lui c'est plus un ogre et eux là-bas c'est plus des trolls je trouve. Bah oui on sait, c'est pas débile. Non ça marche pas. Faut, c'est encore Zolotrex qui va devoir s'y coller. Attendez, un truc que j'ai pas du coup... Ah oui, ok, j'ai compris. Non, viens par ici, gros. Viens par là. Hé hey. Ouh. Voilà. Très bien. C'était quel truc, cristal... Dark Crystal. Je trouve qu'ils ont plus des têtes de personnages de Dark Crystal. Celui avec ses champignons là. Allez, comme t'es un gros abruti, tu vas venir. Mince, j'ai pas ouvert à temps. Voilà. Non, non, tu vas tomber. Hop, voilà. Si c'est un ogre, alors je change mon équation. Les trolls sont... Non, mais moi, je ne vous suis plus, Zolotrex. Vous changez d'avis comme de chemise. Et en plus, vous en mettez rarement des chemises, alors...
Je suis assez perplexe. Mais ceux-là, c'est pas la même race. Hein. Ils ont des champignons, un nez. Avec leur gros nez. Je sais pas pourquoi il vous a bloqué avec leur gros nez. Parce que The Trek vient de dire avec leur gros nez. Michou Malo, Michou Maya. Très bien. Eh bah écoutez, logiquement, ça va être un checkpoint. On peut le supposer. Ouais, non, gros nez, ça passe pas, ça veut pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, c'est gros. Parce que je voulais pas de grossophobe. Hop, checkpoint. Eh bah écoutez, on va voir si le vieux, il y a un petit alien là qui sort. Ah, il va gerber. Oh, dégueulasse. Ouais, gros nez, ça passe. Bien vu, Zootrex. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois une lumière! Pas de soucis, monsieur Exode. De toute façon, on va pas tarder à arrêter. On a juste passé un petit peu ce moment étoilé. Étoilé, vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Allez-y. Mais ils sont débrouillards, les deux gamins. Hein, ah, il y a des loups. Oh là là. Bah, nous voilà dans de beaux draps. Étoilé, bien sûr. Je devais faire de l'essence. La fabriquer vous-même, c'est illégal, vous le savez. Voilà, ça va être une partie à mon avis où je vais mourir un certain nombre de fois. On va juste faire start checkpoint pour voir si ça repart bien là. Ouais, très bien. Ok, bah écoutez, on va en rester là. Hop, il est bien ce jeu. Franchement, il est bien. Moi, j'aime bien. Hop, tac. Franchement, je le trouve très sympa. Et à jouer, même. À jouer, c'est cool. Je dois faire de l'essence en moto, qui plus est. C'est la même essence. Non, c'est la fin, monsieur Exos, justement. Vous précipitez la fin du live, monsieur Exos. On ne peut pas continuer sans vous. Tout simplement. On n'a pas d'autre choix. D'ailleurs, je vois que ma lumière de fond est la même lumière que votre pseudo. La même couleur, vous voyez, c'était un signe. C'était un signe. Mais ouais, le jeu est très sympa. Moi, j'aime vraiment bien. On va le finir, si on y arrive, si on est assez fort. Parce que moi, ça ira, mais vous. Comment être sûr? Comment être sûr? Ah, mon dieu! Oui, c'est vrai, c'est ce que vous disiez, Zolotrex. Bah écoutez, il est sympa, il est vraiment très sympa. Moi, j'aime bien. Et puis, comme je vous dis, hein, en gros, voilà, c'est... on dirige avec ça les deux persos. On se sert juste des joysticks et des gâchettes correspondantes, gauche-droite, l'un des deux frères. Sinon, sur le clavier, ça fait... Les batteurs doivent être... les guitaristes doivent être avantagés parce que c'est les Z, Q, S, D et les flèches. Z, Q, S, D ou les flèches. Alors du coup, ça fait un peu pianiste. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal à le faire au clavier qu'à la manette. C'est beaucoup plus facile de diriger deux joysticks. Vous êtes batteur, bah oui, bah faites-le au clavier, hein. Enfin, si jamais vous le faites, faites-le au clavier. Je vous le conseille. Vous vous sentirez plus dans votre élément. Mais moi, clairement, ça aurait fait n'importe quoi. Moi, les persos, ils seraient partis comme ça. Il y en aurait qu'un qui aurait bougé, l'autre, tu aurais attendu comme un con. Ah, puis les petites musiques. Les musiques sont bien aussi. Ça, c'est un peu zen, mais... Mais au début, enfin, je regardais si j'avais bien pris le jeu en français, parce que les dialogues, je me dis, mince, je comprends rien, qu'est-ce que c'est que ce jeu, je vais pas pouvoir le streamer. Mais ouais, c'est juste une langue comme ça, quoi.
Et pas pour le ménage, comme la dame dans le jeu. Oui. Bah, il y a un des deux frères qui a balayé quand même. Je sais pas si vous étiez là à ce moment-là. Ah, vous parlez de la trollette? Non mais vous avez pas fi... Même si vous finissez en cage, de toute façon, Zolotrex viendra vous libérer. Vu qu'il passe entre les barreaux. Ce petit sacré pain. Vous ne pourrez pas être séparés. Moi je serai là. Je serai là jeudi. Forcément, vous me direz. Heureusement. Ah, donc bah écoutez. Zolotrex et peut-être Monsieur Exo, on se retrouve peut-être demain, du coup, sur le live de Zolotrex. Pas sur l'émission, pardon. Zolotrex. C'est vrai ça, pourquoi vous n'êtes pas là jeudi? Qu'est-ce que vous faites d'abord? Personne n'a donné son autorisation. Vous prenez des décisions un petit peu trop arbitrairement, Zolotrex. Cela ne me sied guère. J'exige, je veux. Exige, je dois aider une. Alors, malade, il a bloqué malade. Vous devez aider une amie malade. Oui, vous m'en aviez parlé. Tout à fait, vous m'en aviez parlé. Bon, j'espère que ça s'arrangera rapidement pour cet ami. Ah oui, malade bloque. Faut que je regarde. Mais Zolotrix a dit qu'il devait aider une amie malade. On ne peut donc que accepter, mais quand même, vous lui demanderez de faire un petit mot. Hein? Parce qu'un petit mot d'excuse envers cette chaîne et ce chat, ce serait... Non, ce serait dégueulasse. Ne le faites pas, ce serait dégueulasse. Vous êtes un bon samaritain. C'est vrai. Futé et agile. Alors, j'allais dire comme une petite fouine, mais ça risque d'être mal pris. Les fouines, c'est futé et agile aussi. Enfin, quoi qu'il en soit... Merci d'avoir suivi ce live. Effarceur, comme... Ouais, mais du coup, comme une... comme un furet. Un furet. Vous êtes futile, agile et farceur comme un furet. Vous êtes un peu putain. Non, mutin aussi, comme dit. Bon, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout du bout. Je vais vous libérer, monsieur Exos. Et on se retrouve donc demain chez Zolotrex. Ou alors jeudi ici, aux alentours de 19h, comme aujourd'hui, comme d'habitude en fait, pour continuer Brothers, The Tale of Two Sons. Merci beaucoup, une bonne soirée, une bonne nuit, et bon enfourchage, monsieur Exos. Allez, ciao!